je t'aime. Viens toucher le cœur brisé, Seigneur Jésus. Oh, je t'aime. Viens changer l'histoire de nos vies, Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Viens combler nos cœurs de ta grâce. Je t'aime. Je lève mes mains. Je t'aime, Seigneur Jésus. Oh, je t'aime. Je t'aime. Aligné au mon livre, mon sanctuaire. Rendez-vous ce matin parce que tu es le véritable et nous voici présents au rendez-vous. Yahweh, manifeste ta grâce au milieu de ton peuple, Yahweh, étends ta main sur chacun de nous. Nous voulons t'adorer ce matin, nous voulons t'élever ce matin. Ce matin, nous sommes présents devant toi, Seigneur. Nous sommes fidèles à notre rendez-vous de ce matin. On s'excuse pour ce léger retard, ce n'est pas à notre volonté, mais on devait arranger les sons, parce que nous ne voulons pas que les sons manquent quand nous faisons notre direct. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse pour votre compréhension. Nous sommes là pour adorer notre Seigneur, nous sommes là pour élever les dieux de gloire, nous sommes là pour élever les saints des saints. Il est le véritable, il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Créateur, il est notre rocher, il est la manne cachée, il est l'étoile du matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici devant le Dieu de grâce, nous voici devant le Dieu de gloire. Nous voulons l'adorer, nous voulons l'élever, nous voulons nous exprimer devant lui, nous voulons élever son nom, nous voulons élever la grâce divine. Nous voulons implorer sa puissance dans ce lieu, dans cette maison, qu'il puisse se manifester au milieu de nous. Élevons-le et disons merci ce matin à notre Dieu. Merci tendre Père, merci le Dieu Tout-Puissant, merci le Seigneur des Seigneurs, merci le Rocher, merci le Dieu de bonté, le Dieu de paix, merci le Dieu d'adoration, le Dieu de puissance, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, merci pour ta paix, merci Seigneur pour des grandes choses que Seigneur tu accomplis pour nous. Yahweh, nous te disons merci, je viens te dire merci ce matin, je viens te reconnaître mon Seigneur, je viens reconnaître les rois des rois, je viens reconnaître les Tout-Puissants, je viens reconnaître celui qui est ma bannière, celui qui est ma solution, celui qui est mon rempart, celui qui me fait du bien, celui qui dit à moi la chose arrive, celui qui donne
grâce à chacun de nous. Il est le Dieu de paix, il est le Dieu de bonté, il est le Dieu de grandeur, il est le Dieu de puissance. Yahweh, laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, laisse-moi te proclamer, laisse-moi adorer ton Saint-Nom, Yahweh. Laisse-moi glorifier ta puissance, Yahweh. Je viens élever les saints des saints. Je viens élever les rochers. Je viens élever la manne cachée. Je viens élever l'étoile du matin. À toi la gloire, à toi la grandeur, à toi la puissance. Papa, tu es Dieu, tu es saint, tu es le Dieu puissant, tu es l'adorable, le saint des saints, le rocher de tous les âges. Papa, tu es mon libérateur. Tu es tout pour moi, Yahweh. En toi, je vois la grâce divine, Papa. En toi, je vois la puissance se manifester. Yahweh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Tu es un grand Dieu, un Dieu si puissant. Papa, merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci, Papa, pour l'amour que tu as exercé sur chacun de nous. Je viens dire merci à toi, l'Éternel, le Dieu d'éternité. Je te remercie, Papa, pour la réalisation que tu manifestes, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Tu nous fais vivre, Seigneur, la grâce divine. Tu nous fais vivre ta paix. Yahweh, tu ne nous laisses pas, Seigneur. Yahweh, dans les troubles, Papa, tu viens intervenir, Seigneur, dans nos vies, Papa. Je te dis merci. Merci, Yahweh. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es puissant. Je reconnais ta grandeur. Je reconnais ta puissance. Je reconnais ton amour, Yahweh. Je reconnais, Yahweh, tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Tu fais de grandes choses, Papa. Tu réalises des choses qui nous étonnent, Yahweh. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier? Je viens glorifier le Dieu tout-puissant. Je viens glorifier le Dieu de gloire. Yahweh, je te suis reconnaissant pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu réalises. Yahweh, tu es Seigneur, tu es le tout-puissant, tu es le créateur, tu es le rocher, tu es la manne cachée, tu es l'étoile du matin. Papa, je viens t'adorer, je viens t'élever, je viens te proclamer, je viens, Seigneur, élever ton Saint-Nom, élever ta gloire, élever ta grandeur, élever ta puissance. Papa, tu es Dieu, tu es le Créateur, tu es mon rocher, tu es la manne cachée, tu es l'étoile du matin. Je bénis ta sainteté, je bénis ta seigneurie, je viens élever ton nom, je viens élever le nom de mon Seigneur, je viens élever le nom de mon Dieu, le Dieu de grâce, le Dieu de puissance, le Dieu d'élévation, le Dieu de miracles. C'est toi, Papa, laisse-moi t'adorer ce matin, laisse-moi te proclamer, je viens célébrer ton nom, je viens célébrer ta grâce divine, Yahweh, tu es merveilleux. Tu es Seigneur, Yeshua, tu m'as béni, Yahweh, tu m'as béni, Seigneur, par ton amour, par ta bonté, par ta paix, par ta libération, Yahweh, tu m'as fait grâce, Papa, tu m'as laissé, Papa, avec la paix, tu m'as accordé la vie, Seigneur, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'élever, j'élève le Seigneur de gloire, j'élève le Saint des Saints, j'élève le rocher, j'élève la manne cachée, j'élève l'étoile du matin, j'élève le Seigneur des Seigneurs, j'élève le Tout-Puissant, j'élève le Créateur, laisse-moi t'adorer encore, laisse-moi t'élever, Yahweh, tu es mon Seigneur, tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Créateur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'élévation, à toi la grandeur, à toi la puissance, Yahweh, Yeshua Messiah, tu es celui qui m'a béni, qui m'a manifesté ton amour, Papa, Papa, j'ai que toi Seigneur, j'ai que toi mon Dieu, j'ai que toi mon roi, tu es mon Dieu, tu es celui qui dit un mot et la chose arrive, Yahweh, tu donnes existence à ce qui n'existe pas, Papa, par ta main, je vois la grâce divine.
par ta main, je vis la paix, par ta main, je vis la joie. Yahweh, comment ne pas élever ce Dieu si puissant, il est le libérateur, il est le créateur de toutes les choses. Yahweh, ce matin, je te dis merci, merci Elohim, merci mon Seigneur, merci le Dieu de grâce, merci le Dieu de puissance, merci le Saint des Saints. Yahweh, laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te célébrer, laisse-moi te célébrer. Yahweh, viens Seigneur, Yahweh, changez ma vie, changez Seigneur ma personnalité. Papa, je te bénis, je te rends des multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis. Papa, mes mains sont levées vers toi, t'adorant ce matin, élevant ton nom. Yahweh, je viens élever ta majesté, papa. Je viens glorifier ta puissance divine, Yahweh. Je reconnais que tu es Seigneur. Je reconnais que tu es puissant. Je reconnais que tu es le véritable. Je t'élève, Yahweh. Je t'élève, mon Dieu. Je t'élève, le roi de gloire. Je t'élève, le Saint des Saints. Je t'élève, le Dieu tout-puissant. Papa, ya papa, tu as conquéri mon âme, papa. Yeshua, Yahweh, papa, n'est-ce pas toi, papa? Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Oh Yeshua, laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, laisse-moi te proclamer. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es le Dieu de puissance divine, Yahweh. La, papa, tu es la puissance, l'élévation, la gloire, la magnificence. Tu es le Dieu de grâce, le Dieu de bonheur. Yahweh, fais-moi grâce, papa. Fais-moi grâce, les saints d'Israël. Fais-moi grâce, mon rocher. À toi la gloire, à toi la grandeur, à toi la puissance. À toi le miracle, papa, ce matin, je vois ta grâce, je vois ta puissance, je vois ton élévation, Yahweh, papa, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'élever, comment ne pas te glorifier, comment ne pas te bénir, papa, ce matin, je viens, Seigneur, auprès de toi, Yahweh, glorifier ton Saint-Nom, glorifier ta grandeur, glorifier ta puissance. Merci Seigneur, merci pour tout, papa, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons invoquer le Saint-Esprit qui nous donne la direction. Que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous éclaire, que le Saint-Esprit nous fait attendre la voix de Dieu. Que le Saint-Esprit ouvre les portes pour nous. Que le Saint-Esprit nous donne l'intelligence et la sagesse. Que le Saint-Esprit vienne nous encadrer ce matin. Élevons nos voix et prions pour que le Saint-Esprit se manifeste pendant ce temps de prière. Éternel mon Dieu, je te dis un grand merci dans le nom de Jésus. Je viens invoquer le Saint-Esprit qu'il se manifeste ce matin, que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous, Seigneur, qu'il nous amène, Seigneur, à découvrir les choses qui nous étaient cachées, que nos yeux voient, que nos oreilles entendent la voix de l'Éternel. Ce matin, Yahweh, donne-nous les yeux spirituels, que nous puissions voir les choses divines, papa, que nous puissions découvrir la grandeur et la puissance de ton nom. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'invitons, viens prendre place ce matin, prends la direction, conduis-nous Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons ta direction, nous voulons ta conduite ce matin. Saint-Esprit de Dieu, viens nous parler, parle-nous ce matin, instruis-nous ce matin. Nous ne voulons pas être dans l'ignorance ce matin. Nous avons besoin de tes instructions, nous avons besoin que tu nous montres la voie, nous avons besoin de tes conseils. Saint-Esprit de Dieu, esprit d'intelligence et de sagesse, accorde-moi l'intelligence, accorde-moi la sagesse,
que je découvre et que je puisse comprendre les voies à suivre, papa. J'ai besoin de toi. Donne-moi la sagesse. Yahweh, instruis-moi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens m'instruire, Seigneur. Viens m'instruire, mon Dieu. Yahweh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de tes instructions. J'ai besoin, Seigneur, que tu m'instruis, que tu m'apprends des choses qui sont cachées. Saint-Esprit, Saint-Esprit, me voici fidèle à toi. Je suis fidèle à toi, Yahweh. Je suis fidèle à toi, mon Seigneur. Je suis fidèle à toi, mon Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant. Saint-Esprit, conduis-nous, dirige-nous, instruis-nous. Saint-Esprit, sois opérationnel. Viens manifester ta grâce divine. Saint-Esprit, laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, laisse-moi te glorifier. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je viens te laisser la direction de ma vie. Yahweh, conduis-moi, Yahweh, dirige-moi. Ce matin, j'ai besoin de ta direction. Ce matin, Yahweh, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens m'éclairer, viens m'éclairer. Implore-moi, Seigneur, éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi, mon Dieu, éclaire-moi, mon roi, Yahweh, papa. Viens m'éclairer, Yahweh, éclaire-moi mon Dieu, éclaire-moi mon roi. Je viens te demander que tu m'éclaires ce matin. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta direction, j'ai besoin de toi, Yahweh, Elohim est mon Dieu. Viens m'éclairer, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi, mon roi, Yahweh, me voici, je me présente devant toi, Éternel, tu es ma bannière, Éternel, tu es mon rempart, je viens me présenter devant toi, viens m'éclairer ce matin, viens me montrer les voies ce matin, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, éclaire-moi, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, je veux, Seigneur, ta direction, Yahweh, ne laisse pas les méchants détruire ma vie. Papa, je viens t'implorer la grâce divine, Yahweh, tu es le véritable, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de sainteté, Yahweh, je t'invoque, mon Dieu, je t'invoque, mon roi, étends ta main, le Seigneur, le Saint des Saints, le rocher, la manne cachée, l'étoile du matin, à toi la gloire, à toi la grandeur, à toi la puissance, à toi l'élévation, Saint-Esprit de Dieu, Fungolanga Bantela, Saint-Esprit de Dieu, Yahweh, dirige-moi, Saint-Esprit, parle-moi, Saint-Esprit, Yahweh, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, mon Dieu, mon roi, fais-moi grâce, Yahweh. Fais-moi grâce, mon Seigneur, Saint-Esprit, me voici devant toi. Éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi, mon Dieu. Montre-moi la direction à suivre, Seigneur, pendant ce mois de mars. Nous sommes le 1er du mars, Yahweh. Papa, je veux un message venant de toi, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons bénir le mois de mars. Que ce mois ne soit pas comme les autres. Amen. Alléluia. Nous allons proclamer. Nous allons dire des choses. Amen. Bien-aimés, chaque mois, tu dois proclamer quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que ce mois t'apporte dans ta vie? Amen. Alléluia. Ne soyons pas, on reste sans savoir ce que nous voulons pour les mois que nous commençons. Amen. Chaque mois amène quelque chose. Ce mois de mars doit amener quelque chose aussi. Amen. Ce mois de mars, je veux que ta corbeille et ta hiche soient bénies. Tu vas déclarer que ce mois de mars, que ma corbeille et ma hiche seront bénis.
prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens lever mes mains vers toi, Seigneur. Je viens proclamer que ce mois de mars, ma corbeille et ma huche seront bénies. Yahweh, ce mois de mars, Yahweh, je vais le vivre. Je vais le voir s'accomplir dans ma vie, Yahweh. Papa, étends ta main, Yahweh. Étends ta main, le Seigneur de gloire. Je vivrai cela, je verrai cela s'accomplir, Yahweh, pendant ce mois de mars. Yahweh, papa, je verrai cela s'accomplir dans ma vie. Je vais vivre cela dans ma vie. Yahweh, je le déclare au nom de Jésus, que ce mois de mars ne sera pas un mois comme les autres. Je verrai s'accomplir dans ce mois de mars la grandeur, la puissance de mon Seigneur au nom de Jésus. Ce mois de mars sera exceptionnel. Ce mois de mars sera un mois que personne, Yahweh, ne reconnaîtra encore. Yahweh, papa, ce mois sera exceptionnel. Ça sera un mois qui étonnera tout le monde. Ce mois sera un mois de miracles. Ce mois sera un mois de délivrance. Ce mois sera un mois qui va nous accompagner dans la gloire. Ce mois, le mois de mars, le mois d'étonnement, le mois de grandeur, le mois de miracles, le mois d'accomplissement. Laissez-moi glorifier les saints d'Israël. Laissez-moi glorifier les rois des rois. Yahweh! Ce mois n'est pas comme les autres mois. Ce mois n'est pas comme les autres mois. Ce mois est exceptionnel. C'est un mois de grâce. C'est un mois d'élévation. C'est un mois de gloire. C'est un mois de puissance. C'est un mois de bénédiction. C'est un mois, Yahweh. C'est un mois de grandeur. C'est un mois de puissance. Je vois la grâce de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Yahweh, c'est moi. Ma hiche, mon corps, ma corbeille sera bénie, seront bénis, seront bénis. La hiche et la corbeille de mes enfants seront bénis. La hiche et la corbeille de ma femme seront bénis. Yahweh, je le déclare, je le déclare. Yahweh, mes bien-aimés, leur hiche, leur corbeille seront bénis. Yahweh, je le déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, il pourvoira pour mes enfants, pour ma femme, pour nous, Yahweh. Il va pourvoir. Yahweh, ce mois n'est pas un mois comme les autres. Ça sera un mois exceptionnel, un mois rempli de grâce, un mois rempli de gloire. Yahweh, nous vivions. Yahweh, ton nom puissant, papa, nous allons le vivre, Yahweh. Tu accompliras des miracles, Yahweh. Tu feras des choses qui étonneront plusieurs. Car ce mois, Seigneur, ne sera pas la copie collée. Ce mois sera exceptionnel. Ce mois sera un mois de grandeur, un mois de puissance, un mois de délivrance, un mois de gloire, un mois dans lequel ma corbeille et ma hiche seront toujours remplies, seront toujours bénies. Dans le nom de Jésus, je les déclare au nom de Jésus. Yahweh, n'est-ce pas? Yahweh, tu vas nous étonner, car tu as béni la ville dans laquelle je vis, Seigneur. Tu as béni, Seigneur, mon champ. Papa, tu as béni mes entrailles. Yahweh, comment tu ne peux pas bénir ma hanche, ma hiche et ma corbeille? Yahweh, que cela soit rempli toujours, papa, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis. Et la paix de Dieu soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant fasse un miracle exceptionnel pour toi. Que Dieu te sort de te plaire. Que Dieu remplit ta vie de la joie. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. On va détruire tout pouvoir d'incantation. Bien-aimés, vous savez, il y a des gens qui font des incantations sur cette terre d'une façon incroyable. Quelque part, quelqu'un est en train de dire, ah, vraiment, Sébastien m'a laissé. Il s'est marié avec une autre femme. Il m'a oublié. Avec tout ce que je lui avais fait, on est en train de faire des incantations sur ton nom. Quelque part, quelqu'un est en train de dire, si moi je ne l'avais pas élevé,
est-ce qu'il aurait été ministre comme il est là? Aujourd'hui, le ministre, il ne fait pas part de ma vie. Ah, si tu n'es pas vivant. Bien-aimé, ce ne sont pas de bonnes paroles. Alléluia. Ce ne sont pas de bonnes paroles. C'est ainsi ce matin. Je préfère que tu pries. Je préfère que tu élèves ta voix. Que tu puisses détruire tout pouvoir incantatoire qu'on est en train de faire, les incantations qu'on est en train de faire sur ton sujet. Pouvoir d'incantation, des rituels qu'on est en train de faire sur ton sujet. Alléluia. Tu vas les détruire. Alléluia. Tu vas détruire tous ces pouvoirs. Que ces pouvoirs soient anéantis. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons anéantir. Nous allons détruire ces pouvoirs de la sorcellerie qui s'élève contre ta destinée. Nous allons les briser. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens détruire tout pouvoir d'incantation, tout pouvoir de rituel qu'on est en train d'exercer contre moi. Je viens les détruire, je viens les démolir. Que ces pouvoirs tombent, que ces pouvoirs meurent. Yahweh, je les détruis, je détruis, je détruis la puissance de ces pouvoirs dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens invoquer le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, que le feu, anéantisse maintenant le pouvoir de la mort, le pouvoir de la sorcellerie. Je viens détruire ce pouvoir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'invoque le feu, j'invoque le feu de Dieu, le feu de Dieu, que le feu, que le feu, que le feu, que le feu détruise maintenant le pouvoir des ténèbres, le pouvoir de la magie, le pouvoir de la sorcellerie, soit anéanti, soit démoli, soit détruit. Je viens détruire, tout pouvoir maléfique, tout pouvoir satanique. Je viens le briser, je viens le démolir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Je viens invoquer, je viens invoquer, je viens invoquer le feu, je viens invoquer le feu contre tout pouvoir maléfique et démoniaque dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'invoque le feu dans un bel et la moto, dans un bel et la moto, moto nanzambe, moto nanzambe, et panza, pouvoir nyoso, yamonda molili, yamonda ténèbres, yamonda magie, oh et le melingai, je détruis la force de ces choses, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens invoquer le feu, je viens invoquer le feu contre tout pouvoir démoniaque, tout pouvoir de la sorcellerie, je viens le détruire dans le nom de Jésus en ce mois de mars que nous commençons, Yahweh. Ce pouvoir satanique, ce pouvoir démoniaque n'ont pas d'autorité, n'ont pas d'autorité sur moi. Je viens le démolir, je viens le détruire dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu, le feu, le feu, que le feu de Dieu, 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 que le feu de Dieu détruise maintenant tout pouvoir maléfique et démoniaque. Yahweh, qui veut hanter ma vie, Yahweh, soit détruit. Il combat ma destinée, il combat ma maison. Je viens détruire la puissance de ses pouvoirs dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je ne laisserai pas les magiciens détruire ma destinée, détruire ma vie. Yahweh, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas d'autorité sur moi, Yahweh. Je viens détruire,
je viens détruire tout pouvoir maléfique et démoniaque. Yahweh qui se lève contre moi, qui se lève contre ma maison. Yahweh, le pouvoir de la sorcellerie qui veut nuire à ma destinée. Yahweh, je viens détruire tout pouvoir de la sorcellerie qui veut nuire à ma vie spirituelle. Je le détruis. Dans le nom de Jésus, j'invoque le feu. Le feu de Dieu. Que le feu de Dieu détruise maintenant le pouvoir démoniaque et satanique qui s'attaque sur ma vie, qui s'attaque sur moi, soit détruit. Dans le nom de Jésus, je viens briser tout pouvoir maléfique et démoniaque. Yahweh, qui s'élève contre ma délivrance. Yahweh, je viens le démolir. Le pouvoir des ténèbres, le pouvoir de la magie, le pouvoir de la sorcellerie. Yahweh, je le détruis. Dans le nom de Jésus. Je détruis ce pouvoir maléfique et démoniaque. Yahweh, Papa, dans le nom de Jésus, je viens briser le pouvoir démoniaque au nom de Jésus, je brise cela. Au nom de Jésus, je ne laisserai pas les magiciens, les sorciers détruire ma vie. Yahweh, je détruis le pouvoir des ténèbres, le pouvoir de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus, j'invoque le feu, le feu de Dieu, détruit maintenant le pouvoir des ténèbres, le pouvoir de la magie, le pouvoir de la sorcellerie. Dans le nom de Jésus. Toi le magicien, tu régneras pas pour toujours dans ma vie. Je mets fin à ta vie, je mets fin à ton pouvoir, je mets fin à tes menaces de détruire ma vie. Yahweh, j'invoque le feu. Contre ton pouvoir maléfique et démoniaque qui veut nuire à ma santé spirituelle. Je viens le détruire au nom de Jésus. Je ne laisserai pas ce pouvoir dominer dans ma vie. Je refuse la domination démoniaque et satanique. Je viens le refuser au nom de Jésus. Tout pouvoir maléfique et démoniaque, Yahweh, qui a pris racine dans ma vie. Yahweh, que cela soit démoli au nom de Jésus. Je viens le démolir dans le nom de Jésus. Je le démolis, je le détruis, je le brise maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je détruis cela au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons un mois exceptionnel, le mois de mars. Dans d'autres versions, tes greniers seront bénis et les fruits que tu mettras en réserve seront bénis. Cela veut dire tout ce que tu vas récolter, que tu vas mettre dans un compte pour ta vie, ça sera béni. Ce mois ici fait une épargne. Amen. Ce mois ici, tes greniers seront bénis. Amen.
Alléluia. Tu seras béni. Ta corbeille à fruits sera bénie. Donc là où toi tu récoltes l'argent, sera béni. Amen. N'oublie pas de parler. Parce qu'on dit, aussi, ta hiche sera bénie. Alléluia. Donc cela veut dire tes réserves. Amen. Seront bénies. Là où tu es en train de mettre tes réserves, seront bénies. Amen. Et ce mois, n'oublie pas de faire une offrande exceptionnelle. C'est un mois de bénédiction financière. N'oublie pas de faire une offrande exceptionnelle. Alléluia. Ne sois pas égoïste devant Dieu. Fais une offrande exceptionnelle. Je le répète, c'est moi de base. Fais une offrande exceptionnelle. Amen. Parce que Dieu va te conduire comme un roi. Tu vas régner comme un roi. C'est moi de base. Tu régneras comme un roi. Fais une offrande exceptionnelle. Amen. Bénis Dieu par ton offrande. Sois violent pour donner une offrande. Amen. Alléluia. C'est le mois de donner l'offrande. Moi, je vais bénir les CCPV qui viennent de naître là. Je vais les bénir. C'est moi, ça, c'est mon offrande à moi. Je vais les donner à Gatineau, à Sherbrooke, à Kinshasa et à Istanbul. Donc, je vais donner une offrande pour ces trois églises qui viennent de naître. Alléluia. C'est le mois dans lequel il faut faire des offrandes exceptionnelles. Ne dors pas. Fais une offrande pour ton église. Fais une offrande pour ton pasteur. Amen. Parce que je te nourris aussi. Amen. Si tu es béni, parce que moi aussi je t'ai béni. Amen. N'oublie pas aussi ton pasteur. Alléluia. Que Dieu puisse te faire suivre des bénédictions partout où tu es. Que les bénédictions te suivent. Et que Dieu se rappelle de toi dans toutes les choses que tu fais. J'ai béni tous ceux qui ont pris de leur cœur à me bénir aussi financièrement. Que toutes ces personnes soient bénies. Et que Dieu leur fasse une grâce exceptionnelle ce mois de mars. Car nous l'avons déclaré que les corbeilles, ta corbeille et ta hiche seront bénies. Moi, je les bénis 100 fois plus que cela. Que Dieu les bénisse. Soyez bénis. Que Dieu se souvienne de tout ce que tu m'as donné entre mes mains. Que Dieu les multiplie 100 fois plus. Alléluia. Ne t'étonne pas si quelqu'un te donne 50 000 ce matin. Amen. Parce que Amen. Tu m'avais béni et moi je t'ai béni. Amen. Alléluia. Que Dieu multiplie ce que tu m'as donné en santé. Alléluia. Sois béni, sois béni. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Amen. Nous allons continuer notre prière. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons élever le Dieu de gloire. Nous allons élever le Dieu de grâce. Amen. Bien-aimés, nous allons rendre nul et non avenu toute influence des avaleurs de destin. Des gens qui avalent le destin. Vous savez, il y a des gens qui avalent le destin de quelqu'un. Amen. Les sorciers peuvent avaler ton destin. Les magiciens peuvent avaler ton destin. Les marabouts peuvent avaler ton destin. Les féticheurs, les gens de vaudou peuvent avaler ton destin. Alléluia. Il y a des gens qui avalent le destin des gens. Souvenez-vous du vieux prophète avec les jeunes prophètes dans les livres des rois. Souvenez-vous de cette histoire. Cette histoire, il est effrayant. Alléluia. Souvenez-vous de cela dans 1 Roi 13. Bien-aimés, les jeunes prophètes n'avaient rien fait du mal. Mais les vieux prophètes voulaient avaler le destin de ces garçons. Parce que ces garçons sont venus opérer sur son terrain. Et il a fait des choses que les vieux prophètes n'étaient plus capables de faire.
La jalousie l'a animé. Alléluia. Ce vieux prophète, au lieu de chercher le brisement, il a cherché d'avaler le destin du petit. Il était content de dire au petit, parce que tu as fait cela, tu es venu manger, tu mourras. Mais c'est toi qui l'as trompé. Vieux prophète sorcier. Vieux prophète, c'est un magicien. En tout cas, que les vieux prophètes ne viennent pas sur ton chemin. C'est qu'il y a des gens qui peuvent avaler ta destinée. Ne pense pas que tout le monde est un bon compagnon. Non, que moi, personne ne m'arrêtera pour le combat. Parce que je connais comment sont les hommes. Je connais, il y a des hommes qui sont démons. Alléluia. Que personne ne vienne t'intimider. Oh, Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Lui-même. Est-ce que les vieux prophètes aimaient les petits? Donc je te demande maintenant, est-ce que les vieux prophètes aimaient les jeunes prophètes? N'est-ce pas quand lui est mort, il a enterré? Alléluia. Lui-même, il était le lion qui a détruit l'enfant. Le lion, là, c'est le vieux prophète. Il était content. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons rendre nul et non avenu l'influence des avaleurs de destin. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je rends nul et sans effet toute influence des avaleurs de destin. Celui qui veut avaler ma destinée, Yahweh, je le rends nul et sans effet. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens invoquer le feu, je viens invoquer le feu contre tout avaler de destin. Yahweh, celui qui veut avaler ma destinée, Yahweh, qu'il reçoit le feu. J'évoque le feu, le feu de Dieu, que le feu, détruisez maintenant toute personne qui veut avaler ma destinée, Seigneur, ne sera pas avalée par qui que ce soit. Yahweh, les sorciers, les magiciens, les marabouts, ils se sont organisés pour avaler ma destinée, pour détruire ma vie, Yahweh, ma conscience. Ils ont menti, ils ne vont pas avaler ma destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je viens invoquer le feu. Je ne laisserai pas les magiciens avaler ma destinée. Je ne laisserai pas les sorciers avaler ma destinée. Dans un bel et la moto. Que le feu anéantisse, Yahweh, le pouvoir de tous ceux qui veulent avaler, Seigneur, mon succès, avaler ma destinée. Yahweh, qu'il soit frappé par le feu. J'invoque le feu, le feu de Dieu, je viens invoquer le feu, et fasse échouer toute personne qui veut avaler ma vie. Tu veux avaler ma vie, Yahweh. Tu veux pas que je folie. Tu veux pas que je réussisse. Yahweh, sois détruit. Que cette personne, Yahweh, soit détruit maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tout faux prophète agissant dans ma vie, détruisant ma destinée, qu'il quitte ma vie. Toi faux prophète, je viens te chasser, je viens t'ordonner de libérer ma vie, de quitter ma vie, de sortir de ma vie. Dans le nom de Jésus, tu n'auras aucune domination sur nous. Aujourd'hui, je te mets dehors, sors de ma vie.
hors de ma vie. Toi, faux prophète qui veut détruire ma vie. Tu sors de ma vie. Sors de ma vie. Tout faux prophète, les prophètes sorciers, les prophètes magiciens, les prophètes vaudouistes, tu vas sortir de ma vie avec ta vaudou. Yahweh, sors-les de ma vie. Sors-les de ma vie. Sors-les de ma vie. Il ne prendra pas contrôle de ma vie. Yahweh, je refuse la domination des ténèbres dans le nom de Jésus. 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 Je détruis. Je détruis. Je détruis. Les prophètes de malheur, les prophètes de malédiction, Yahweh, leur agissement ne m'atteindront pas dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je détruis le pouvoir des faux prophètes au nom de Jésus. Je vais anéantir leur puissance maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je refuse la prophétie de la malédiction, la prophétie des démoniaques. Je viens refuser cela. Je viens refuser cela. Je viens refuser. Je viens refuser. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, je détruis le pouvoir satanique et démoniaque, Yahweh. Oh Seigneur, libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens proclamer la gloire dans ma vie. Je viens proclamer la grandeur dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons prier. Nous avons dit ce matin que ta corbeille et ta biche seront bénies. Amen. Alléluia. Nous avons dit que ta corbeille et ta biche seront bénies. Alléluia. Dans d'autres termes, bénis. Que Dieu bénisse ton panier et ton magasin. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, je peux dire béni soit ta corbeille et ta réserve. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu puisses maintenant prier. Nous allons prier que c'est moi ici. Alléluia. Que ma réserve puisse augmenter. Que ma corbeille, soit remplie. Implore Dieu. Dis Seigneur, je veux une visitation exceptionnelle. N'oublie pas de faire aussi une offrande exceptionnelle. Quand je dis une offrande exceptionnelle, fais-le. Alléluia. Ton offrande ne peut pas être au bas de 100 dollars. Non. Une offrande exceptionnelle doit être ce qui te coûte aussi. Amen. Parce que toi, tu aimes donner 5-10 dollars. Ça te fait, ça coûte parce que ce n'est pas exceptionnel. Exceptionnellement, c'est moi. Cherche à donner quelque chose qui est au-delà de 100 dollars. Amen. Cherche à offrir à Dieu plus de 100 dollars. Exceptionnellement pour ses mois. Parce que lui aussi fait exception. Il va bénir ta corbeille. Il va bénir tes réserves. Amen. Nous allons prier. Implore Dieu. Supplie Dieu. Pleure devant lui. Comme Anne l'a fait. Anne voulait que sa stérilité disparaisse. Anne a fait tout en pleurant, en suppliant. Alléluia. Il a imploré Dieu et Dieu l'a béni. Est-ce que toi aussi tu peux le faire? Que Dieu se souvienne de toi, qu'il bénit ta biche et ta corbeille. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens implorer, le Dieu d'Israël, le Dieu qui est aux cieux. Yahweh, me voici en larmes, me voici Yahweh, me tourne devant toi, je me rabaisse Yahweh, dans le nom de Jésus. Yahweh, vois mes larmes, Yahweh, vois mes supplications, entends mes supplications, papa, je viens te supplier, je viens supplier le roi des rois. Yahweh, je me prosterne de mon père,
Yahweh, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, Yahweh, j'implore ta grâce, j'implore ta faveur, Yahweh, bénis ma corbeille, Yahweh, bénis ma huche, Yahweh, vois Seigneur, mon cœur, Yahweh, comment il est dévoué pour bénir Yahweh, papa, Yahweh, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de CCPV, Yahweh. Souviens-toi de CCPV. Souviens-toi de la communauté. Yahweh, vois notre dévouement. Yahweh, vois nous, nous sommes en pleurs. Nous sommes en pleurs, Yahweh. Yahweh, je viens t'implorer. Je viens t'implorer la grâce divine. Yahweh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Yahweh. Élargis mes limites, Yahweh. Élargis, Yahweh. Élargis, Yahweh. Je veux ta consolation. Je veux la consolation de l'Éternel. Je veux la consolation de mon Dieu. Yahweh, papa, écoutez-moi. Entends les cris de ma voix. Entends les cris de ma voix. Yahweh, délivre-moi. Délivre-moi, mon Dieu. Délivre-moi, mon roi. Délivre-moi, le Dieu d'éternité. Délivre-moi, le Dieu de grâce. Délivre-moi, le Dieu de grandeur. Délivre-moi, le Dieu de richesse. Yahweh, tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Yahweh, fais-moi grâce, Yahweh. Fais-moi grâce, Seigneur. Mes mains sont levées vers toi. Implorant ta grâce, Yahweh. Mes mains sont levées vers toi. Criant que tu es le roi des rois. Criant que tu es le Seigneur des seigneurs. Yahweh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te proclamer? Comment ne pas t'adorer? Tu es le véritable. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de sainteté, tu es le Dieu de grandeur, tu es le Dieu de miracles. Yahweh, accomplis ton miracle, accomplis ton miracle, Yahweh, accomplis ta grâce, Yahweh, accomplis, Yahweh, ta bénédiction. Yahweh, tends ta main, étends ta main, le Dieu de délivrance, le Dieu de liberté, le Dieu de paix, le Dieu de paix, le Dieu de grandeur, le Dieu de puissance. Laissez-moi t'adorer, laissez-moi t'élever, laissez-moi te proclamer, laissez-moi prier, Yahweh, que tu es le véritable. Yahweh, fais-moi vivre ta grâce. Fais-moi vivre ta grâce, Yahweh. Fais-moi vivre ta grâce, Seigneur. Étends ta main sur moi, Yahweh. Étends ta main sur ma vie. Étends ta main sur ma maison. Étends ta main sur mon foyer. Étends ta main, Yahweh. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu de grandeur. Tu es le Dieu de miracles. Yahweh, papa, fais-moi vivre ta grâce. Yahweh, tu pourvois pour moi, Yahweh. Tu pourvois pour mes enfants. Yahweh, tu n'as jamais échoué. Yahweh, tu nous as jamais abandonné. Papa, tu viens toujours à notre secours. Yahweh, je te dis un grand merci, papa. Bénis ma huche, Yahweh. Bénis ma corbeille, Seigneur. Qu'il soit rempli, Yahweh. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma huche. Souviens-toi de ma corbeille. Yahweh, remplis-le. Remplis-le, qu'il soit béni. Qu'il soit béni, Yahweh, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons dire un grand merci à Dieu parce qu'il nous a béni. Que ton matin soit un matin agréable. Laissez-moi dire, aujourd'hui, c'est une journée d'une grâce exceptionnelle à laquelle tu seras béni financièrement. Car ça commence à partir d'aujourd'hui. Pendant tout ce mois de mars, Dieu va te visiter d'une façon incroyable. Financièrement, tu vas sourire. Sois béni. Que la paix de Dieu soit avec toi.